Moi, j'ai des magots qui attaquent 4 fois par round. Hein, donc, moi, j'ai un barde qui attaque. Fin de tour. Non, il était absent pendant que tu as dit que tu utilisais ton action bonus pour dash Ah, t'étais absent en ce moment-là? Bah oui, du coup, revenir à sa position initiale. j'ai en action bonus en tant que roublard, j'ai dash pour revenir là où j'étais. Oui. Alors, bah moi je vais utiliser mon action bonus pour dash vers celui qui est face à moi. Et donc 9 mètres, ça nous met par là. Dash, c'est quoi? C'est l'action foncée, c'est ça? C'est ce qui permet d'avoir un second mouvement de la Okay. même distance. Et en fait, moi ce que je voudrais faire, c'est me mettre à ses côtés-là, à 6 mètres, lui envoyer un coup, et terminer en allant me cacher là. Donc je me positionne là. L'idée c'est de lui envoyer un ou pas, que j'ai pas arrêté d'avoir j'ai fait 19 pour toucher. Ok. Bon, Donc fais gaffe hein, quand même, parce qu'on sait pas s'il n'y a pas du monde dans l'autre pièce encore. Il y a peut-être encore 18 autres bonhommes de l'autre côté, hein. 1 D8 plus 5. Ouais, bah ouais, mais bon, j'ai pas envie de me prendre 3 flèches dans la tête Oui, pendant le tour. oui, oui. Entre un improbable et un à peu près sûr. Oh, c'est Mais vraiment bon. triste ce que je viens de faire comme dégâts. Chacun de mes D6 sur la Sick Attack fait 1. Donc ça fait un total de 11 points de dégâts. Et donc je vis 11 au total. Et donc je viens me positionner dans le coin. Il ne peut pas me faire d'attaque d'opportunité puisque je lui ai mis un coup pendant le tour. Oui, moi je vais reculer et m'en prendre l'homme lézard, je crois, qui est là. Alors. Voilà. C'est un échec critique. Ouais. C'est quoi le dragon en inspiration? D'accord, mais pourquoi dragon? Parce que sur ta feuille, il y a une petite case que tu peux cocher qui pour l'inspiration, et en fait, ça prend la forme d'un dragon. Ok. Mais c'est en haut du bonus de maîtrise.
Alors, c'est pas un dragon, c'est un et. C'est le et. Oui, c'est vrai, mais c'est l'habitude de l'autre feuille relevant où ça prend une forme de dragon, en fait. Ah, ok, d'accord. Mais c'est vrai que t'as raison, ça fait le et en serpent, enfin, du coup, ça reste une tête de Ouais. dragon. Ceci dit, je sais pas pourquoi ils mettent un et. C'est le Pour et ce truc. le donjon et dragon. Oui. Ah oui, t'as raison. C'est le i stylisé qu'il y a sur le logo. Ouais. Ils ont utilisé ce trademark pour protéger pour l'utiliser comme symbole, quoi. T'as dit quoi? Trademark. D'accord, j'ai. Une Ok, non mais en fait, j'ai entendu ce trait de merde. Ah, ok. C'est. Ça peut le faire aussi, hein. Tu peux effectivement subliminalement l'interpréter comme ça aussi. Effectivement. Oui, je connais le point. C'était juste comme tu parlais du dragon, je ne comprenais pas pourquoi il y avait une histoire de dragon et de point d'inspiration. C'est vrai. Ouais. Mais là, sur D&D Beyond, c'est beaucoup moins mignon. On dirait un buzzer. Du coup, il se passe quoi de mon échec critique? Oui. Maintenant qu'il est droit devant moi, je profite qu'il fait le beau pour l'embrocher, enfin du moins tenter de l'embrocher. Et je pense que ça marche bien. C'est des bruits, mec. Je me suis acheté une armure, je sais même pas pourquoi je l'ai achetée, elle sert à rien avec des CA comme ça, quoi. Merci. Oui, C'est un 14. Déjà, c'est un 20 nat, hein. C'est un critique. En plus. Ah oui, ok. Mais il le fait en automatique. Non, mais je reste au contact et je m'attends à parer un coup. Je me prépare à parer un coup. Il est encore debout, lui, hein. Écoute, je vais le baguetter déjà avec une baguette. Alors, je crame trois charges. Trois charges, c'est 5 des 4 plus 5.
Celui qui a l'air d'être le vrai chef, enfin le grand chef, hein, parce que là, il a l'air de quand même d'encaisser pas mal de gros dégâts. Il m'a l'air vraiment très très dangereux. J'ai envie de dire, c'est vraiment une cible prioritaire pour moi. Celui-là, faut le sécher, mais vite. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, de baguette de PM. C'est une baguette de PM qui parle. Enfin, c'est 5 projectiles magiques qui partent d'une baguette. Oh, ça touche automatiquement, normalement. Et après, selon qu'il soit debout ou pas. Mais ça, c'est selon ce que tu vas me dire. Et putain, il est encore debout. Oh, putain, mais quelle brutasse. Mais en fait, je suis en train de voir, mais en fait, je suis un peu emmerdé. Il est à quelle distance de moi? Il est à moins de 18 mètres? Non, il y a plus. Alors, je vais m'avancer un peu. Qu'il soit dans les 18 mètres. Là, on va dire qu'il est dans les 18 mètres, je pense. Et donc là, je vais incanter en action rapide. Donc là, ça me pouffe un point de sorcellerie. Non, 2 points, si je ne me plante pas. Incantation rapide, c'est 2 points. Accélérer, 2 points. Donc il me reste 4. Et je vais lui balancer gelure. C'est 18 mètres, instantané. Il se prend 2d6 de froid. Donc 6 points de dégâts de froid. Tous ses prochains de jets seront désavantagés jusqu'à la fin de son prochain tour. Donc il est sous l'effet d'un désavantage jusqu'à la fin de son prochain tour. Et la malédiction de la mère de mon lignage fait que... Alors, s'il prend des dégâts, donc il est éventuellement immunisé, je ne sais pas, sa vitesse de déplacement est réduite de 4,50 m jusqu'à la fin de son prochain tour. Donc, jusqu'à la fin de son... Alors, s'il a pris des dégâts, il est désavantagé et son déplacement est ralenti de 4,50 m jusqu'à la fin de son prochain tour. Le regard avec un sourire narquois. Ouais. Oui, mais attends, je vais juste voir comment je peux lui faire ouais, avec ça. Et mes yeux rigolent et mon sourire est très provocateur. Genre, j'attends de voir ce que t'es capable de faire, espèce de lopette, tu sais, écrit dans mes yeux, quoi. Et moi, je me prépare à faire quelque chose quand il va agir.
4,5. Je crois. Cinq pieds égale 1,5 mètres. Ça doit faire 3 cases. 15 pieds, ça doit faire 3 cases, non? Quelque chose comme ça. Ça peut être 50. Mais Claude, il peut avancer plus que ça. C'est 4,5 mètres qu'il pourrait faire. Oui, c'est plus petit. Le déplacement du gnome, je te dis ça tout de suite. Alors, c'est 7,50 m. Ah, ben 7,50 m moins 4,5 m, ça fait bizarre, effectivement. Il ne reste plus grand-chose. En fait, je crois qu'il faut 5 pieds pour une case, en fait. 60. Ça fait 12 cases ça fait fois 1,5. Ça fait 18 mètres. Oui. Ça dépend, c'est un jet d'attaque. Alors, en action de réaction, je me lance un sort de bouclier qui viendra jusqu'au prochain tour de jeu et qui augmente ma classe d'armure de 5. Et donc, je passe de 16 à plus 5 à 21 de classe d'armure. Je pense que non. Les actions de réaction, on peut en faire qu'une seule par tour, hein, on est d'accord. Oui. Oui, ok. Une réaction qui se qui revient au début de chacun de tes tours. Okay. Ça dépend, un gobelin niveau 18, ça arrache. Hein. Non, mais si tu nous sors un gobelin niveau 18, c'est fin de campagne, hein, je pense. Ça dépend. Si c'est un mage et que je lui mets une tête.
Après, il n'est pas à l'abri d'un fumble et de se plan... et de se, comment dire, de se, de se, de s'auto-empaler sur son arme légendaire. Hein. Yeah. Oui. Après, on peut pas délayer ad interim eternam non plus. Oui. Juste tombé. Perforant, c'est ça? Son truc. Ah oui, ok. 3 points. Aïe! Aïe, je souffre! Fais-je en criant très fort et en finissant avec un rire moqueur. Alors, comment Ah, fais-je en criant de nouveau de douleur et en dédaignant même de finir en rigolant. Par contre, je regarde les gars qui viennent de tirer dessus plein de promesses de renvoi de spell. Hein. Les prochains, c'est eux. Ah, c'est bien ça. Voilà. De toute façon, tu as le droit de faire un déplacement, hein. Oui, mais moi ça me va. Tant que tout le monde s'intéresse à moi, tout le monde oublie Vogue qui est dans leur dos et qui a besoin de passer dans le dos et d'un avantage pour pouvoir mettre de la sournoise en veux-tu en voilà quoi. Donc, moi tout ça pour l'instant ça me. Moi tout ça pour l'instant ça me va. Ok, donc c'est quoi? Il a fait 35 pour toucher, c'est ça? Oui, je suis immunisé aux critiques. Donc il me touche, mais tu n'appliques pas l'effet du critique, en fait. Non mais du coup ça fait quoi les dégâts? 7. Ok. En étant immunisé aux critiques. On est d'accord. Ok. Parce que j'ai une armure d'adamantium et l'armure d'adamantium elle m'immunise aux critiques. Oui.
Non, mais je, mon armure est... Je suis un magot équipé d'une armure de mitral renforcée d'adamantium. Et le renfort d'adamantium m'immunise aux effets du critique, en fait. Oui, non, mais Une non, armure en adamantium et en mitral. oui, c'est le renfort qui est d'adamantium. Si tu regardes bien la description du truc, c'est l'adamantium, c'est un renfort sur l'armure. Donc tu peux avoir une armure d'adamantium renforcée, une armure de mithril renforcée d'adamantium. Ouais, ce qui est super classe, en fait, c'est que c'est la version qui peut se porter sous les vêtements, qui ne se voit pas, en fait. En fait, c'est la maille elfique que tu peux porter comme une chemise, et ainsi de suite. Sous les vêtements, ça ne se voit même pas, en fait. Du coup, elle est en mitral et renforcée d'un adamantium. Mais bon, de base, ça fait une classe d'armure de 16, quoi. Quand je vois les bourrins du groupe là, qui me font des 27 et autres, je me dis que j'ai investi dans une armure, mais en fait, j'aurais mieux fait d'investir dans autre chose, quoi, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que ça ne va pas me servir à grand-chose. Oui. Bon, après, c'est classe. C'est classieux, donc c'est bien, ça va bien avec le perso. Ça touche. Eh bien, j'ai pas entendu 7 ou 6. 6.
Donc, derrière moi, on parle de cette porte-là, c'est ça? Ok. Faut que j'attende mon tour pour donner l'information ou je peux déjà prévenir mes compagnons qu'il y a du monde qui arrive? Ok. Il y a du monde qui arrive derrière moi! Okay. Très bien. On va s'avancer par là. Les deux lézards autour de Rosso, il y en a un qui a l'air plus entamé que l'autre. Donc, celui-ci a l'air moins blessé. Eh bien, je vais essayer de tirer sur le moins blessé. On tire normal. Ah. Est-ce que 12 le touche? Bah, dommage. Par une action bonus, je vais foncer pour me rapprocher encore un peu. Et je vais dire fin de tour. Alors, comme moi j'avais rendu les lunettes, je ne suis pas censé voir dans le noir ce gobelin-ci. Alors, rendre les lunettes, c'était quand avant de savoir qu'il y avait de la lumière dans la salle, donc j'avais pas reprise moi finalement. D'accord, je les ai. Ok, cool. Très bien. Moi, je vais me déplacer donc dans le dos de ce monsieur. Est-ce que ça m'offre de l'avantage, Claude, ou pas? Pas de raison. Ça marche. Je lui fais une attaque sans avantage, mais c'est pas critique. Donc ça part sur 2D8 plus 5 plus la sneak attack doublée. Qui prend 12 plus 11 plus 13 qui nous fait 36. J'avais parcouru 6 mètres. Normalement, je dois pouvoir me déplacer jusque. Off. Je sais pas, c'est peut-être un peu court. Est-ce que ça suffira ou pas pour aller toucher l'autre? 3 mètres, normalement. Je me mettrais. Là, ça va être court. Une compensation. Ah, le problème, c'est que si je veux lui mettre une deuxième attaque, il faudra que j'utilise mon action bonus. Bah, si t'as une dague, sinon au pire, si t'as une dague, lance-lui une dague. Oui. J'ai des dagues. Et alors, pour le coup, lui, vu qu'il est ralenti, est-ce que ça me donne l'avantage ou pas? Non, il est désavantagé sur ses actions. Il est ralenti. Il est ralenti. Par contre, moi, j'ai fait des jets pour capter à tous leur attention pour que mon compagnon, lui, puisse se promener dans leur dos comme il veut. Donc, tous mes jets là, de Ouais. provocation et ainsi de suite, là, c'était pour que tout le monde s'occupe de moi.
et oublie le gars qui est caché dans l'encadreur de la porte, en fait. C'était un petit peu ça, le but. Donc, je pars du principe que les roublards, ils ont besoin souvent d'un petit peu d'aide, une fois les surprises passées, pour continuer à avoir l'avantage sur leur jet d'attaque, en fait, et donc de pouvoir mettre leur sournoise du coup dessus, quoi. Okay. Donc du coup, si du coup ça te permet d'avoir l'avantage sur le lancer de dague, parce que du coup t'es plus avec ta rapière, ça devrait pouvoir te permettre de faire de la sournoise à la dague du coup. C'est ça, parce que j'ai l'avantage dès que je suis en corps à corps en 1 contre 1, même si j'ai pas l'avantage normalement. Mm-hmm. Ouais, en fait là tu crées tu crées toi-même ton avantage, quoi. Mm-hmm. Bien, et ben ça part sur un 21 pour toucher. Donc j'imagine. Et donc alors attends, la sneak attack là, je peux pas la lui mettre. Oui, c'est non, tu peux en mettre une par round. Enfin, je crois que tu peux en mettre une par round. Alors, ça peut être la deuxième attaque, la cinquième attaque, mais c'est une par round, quoi. C'est ça. Ah oui, peut-être. Tu l'as déjà placé, en fait, c'est ça, avec la rapière. Mais il me semble que non, en fait. Tu peux plus en placer une. Pas tant pis, on fait les dégâts normaux. Hein. Puis, oui, si ça se trouve, ça suffit. Non, hein. Mais je relisais juste la description du spell pour. Bon, normalement, on l'a déjà. On l'a déjà bien tabassé, ça suffit peut-être. Hein. 7 points de dégâts. J'espère que ça suffira. Oui, croise les doigts. Yes. Cool. Je vais faire mon mouvement pour m'écarter un petit peu par là. Et c'est la fin de mon tour. Ouais. Du coup, je vais me placer entre les deux. Si je me mets dos de quelqu'un, je me prends un attaque d'opportunité. Non, alors je me place entre les deux. Et je vais attaquer celui du dessus, qui était un poil trop loin. Oui, 5 dégâts. Il est encore debout. Bah, je fais un aller-retour. L'épée revient. Elle s'appelle revient. Non, c'est le même qui se prend le coup. Je fais un aller-retour avec l'épée, en fait. C'est ça que je voulais dire. Ok. Et du coup, bah, je me remets face à l'ennemi qui est au sud, enfin qui est en bas. Ouais, et c'est la fin de mon tour. Alors attends, juste une question.
Cette porte-là, c'est quel genre de porte? La porte où j'ai entendu du bruit qui arrive, quoi. C'est une porte standard ou c'est quelque chose de genre autre? Alors, en coup d'œil rapide, hein, on est d'accord. Hein, c'est, je commence pas, je passe pas 10, je passe pas 10 minutes à l'inspecter non plus. Hein. Ok, je mets ma main dans mon havresac d'Eward, j'en sors une cale. Vu que dans le havresac d'Eward, l'objet que tu cherches est rangé automatiquement au-dessus. Je me rends à la porte et je cale la porte. Je mets un gros coup de pied dans la cale pour la coincer. Donc déplacement, action, dégainer, ça c'est bon. Et bah, je vais lancer un sort en action rapide du coup. Métamagie. Alors putain, je suis bientôt à sec, hein, les gars. Je vais bientôt plus servir à grand chose. Et qu'est-ce que je peux balancer avec ça maintenant? Putain, je suis coincé au sort de magie mineure, quoi. Bon ben, ouais. On va faire ça. Attends, ça c'est un cône ou c'est... Non, c'est pas un cône. Bon ben, je rebalance une gelure à celui-là. Donc c'est... faites fort une couche de glace. Yana. 2d6 de froid. De froid, 5 points de dégâts de froid. JS Constit pour annuler le désavantage. Et après, en parallèle avec mon lignage, sans déplacement et ralenti de 4m50 jusqu'à la fin de son tour. Suivant. Dis-moi. Ok. 19. Ouais, bah, ça arrive, hein. C'est un saut mineur, hein, donc faut pas trop rêver non plus. Hein. Ouais. Ah, ok. Ouais, de toute façon, j'avais pas le choix. C'est ça ou en action rapide, c'était ça où je sortais l'artillerie boule de feu, quoi. Donc la boule de feu sur un gars, c'est un peu cool. Surtout quand il y a une troupe qui arrive. Hein. Attends, juste une question. Je peux finir mon déplacement ou le fait d'avoir bougé, d'avoir agi m'arrête? Alors attends, j'étais parti de là, je crois, à peu près. Hein. Ça fait 3 mètres. Moi, j'ai 12 mètres de déplacement. Alors, 3, 6. 9. Donc je peux à peu près arriver jusque là. Là je viens là, en fait, je me déplace jusque. Non, attends. Bon, 6. Il vaut mieux que je vienne par là, en fait. Ok. Non, mais non, stop, je J'avais qu'à y penser, tout est passé. J'avais qu'à y penser avant, en fait.
Ils sont là. Non, moi j'ai pas gobelin comme langue. Ben, moi j'ai gobelin. Le copain, celui qui est déjà mort, c'est ça? Très certainement. Ben ouais. Ça commence à craindre du boudin, tout ça. Ouais. Un 3, ça touche. Ça touche pas. Ok. Eh bien, rebelote, tire. Décidément, ça veut pas, hein. Si, si. J'ai mon petit dragon. Ça sert à quoi le petit dragon? L'inspiration. Okay. Oui. Okay. Non. Je vais dash pour arriver à distance de ce gobelin.
Il est pris en tenaille, ce qui me donne automatiquement l'avantage. Il y avait un échec critique. Et ça fait 25. Neuf et sept qui nous font donc 16. Et c'est la fin de mon tour. Je vais l'attaquer à coup d'épée. Son ménagement. Du coup, je retente. Je vise le bide, les intestins et compagnie. C'est tout ce que je fais. Donc le gars qui était à côté de moi, Vogue vient de le finir, c'est ça? Ok. Je vais mettre une baguette. Je vais claquer une baguette sur le monsieur qui est là-bas. Je peux lui mettre trois charges. Trois charges, c'est... Ça n'est que plus 5. Donc, je lui occasionne cet effet, le fait que je ouais. Ah, voilà. 15, du coup. Oui, PM, dégâts de force. Touché automatique, ainsi de suite. Je le tue. Okay. On est d'accord, a priori, il n'y a plus d'ennemis dans la pièce où nous sommes, là, moi évoque. Par contre, il y a du monde qui arrive par la porte que j'ai bloquée. Et il y a encore des bruits de combat dans l'autre pièce. On est d'accord? Ouais, donc je vais me déplacer, je vais aller au moins jusque-là. Et il y a a priori, quand j'arrive, il y a encore un ennemi, c'est ça? Alors attends, j'ai dit 12 mètres. 3. 9. Je peux presque aller au contact. Rosso a plutôt un profil de guerrier que de roublard, on est d'accord. Ouais. Pense pas qu'il ait besoin que j'aille au contact. Ok, en fait, je vais m'arrêter là quand j'arrive. Et suivant. Ah, Rosso est mal barré. Bon, ça va pour l'instant, mais... Juste une question, Rosso.
Tu manies l'épée longue à une main ou à deux mains? C'est épée bouclier ou c'est tu la manies comme une épée à deux mains en fait? Épée bouclier. Ok. Ça roule. Ok. Ouais. Senko va s'approcher. Et puis il va tirer en espérant qu'un jour ça va passer. 17 pour toucher. Ça touche. Ok. Il va donc prendre 31 points de dégâts. Ah bah quand même. Non, parce que... Ok, mais attendant la porte est fermée, on est d'accord. Et bah, donc c'est ça, Zenko, premier réflexe. Il va auprès d'elle la fouiller. Toute façon, ça va pas lui servir, donc il va il va juste du coup après aller dans l'autre pièce et dire bon. Qu'elle va dire, elle avait ça sur elle, ça intéresse quelqu'un. Et Zenko va se rabaler la liasse de parchemin. Il y aura un autre, ça t'intéresse? Bah, je regarde. Regarde, ouais. Qu'est-ce donc?
Pendant ce temps-là, Qu'est-ce Vogue donc? fouille le cadavre du chef. Non, moi je pratique le commun, l'elfe et le primordial. Je connais pas la langue. Bah, je vais jeter un coup d'œil, alors. Bon, après, je la reconnais. Je connais pas la langue. Je sais pas la lire, mais je peux peut-être la reconnaître. Ça doit être de l'infernal. Quelqu'un qui sait lire? Moi, je peux. Je te retends les pare-chocs. Enfin, les documents. Oui, je dis aux autres. Hein. Ouais, c'était donc pour ça qu'elle se marrait quand on lui disait qu'on était chef. C'est possible. Bon, oui, je remets la tête dans les affaires du pseudo-chef, voir si je trouve des choses intéressantes.
Non, je ne cache pas les résultats de... Je l'ouvre pour compter. Les sous. D'accord. Non, bah j'extirpe tout et j'étale ça au sol sans chercher à cacher le contenu. Ok. Très bien, très bien. Bon, une fois tout sorti, je compte, j'informe tout le monde. J'en dis, il y a 135 pièces d'or. Tenez, voilà votre part. Et donc ouais. Ça fait 34 pièces par personne et 33 pour moi. Eh bien, merci. Ça me semble honnête. Ouais, il a un vêtement de qualité, c'est ça. Bah écoute, je vais lui retirer et conserver. Je vais donner la description quand même. Ça. C'est une robe, tu disais? La garde si ça vous dérange pas, messieurs. Pas du tout. Pas de souci. Oh non. Et
Claude, tout à l'heure, quand on est rentré dans la pièce, tu nous parlais de parchemins, que les gobelins étaient en train de rédiger des parchemins, c'est ça? Alors, j'imagine que les parchemins qui sont proches de nous ont été brûlés. Ils ont pas été brûlés par la boule de feu? Ben voilà, peut-être qu'il faut aller dans le fond, dans le fond de la pièce pour essayer de retrouver des parchemins encore intacts. La boule de feu les a soufflés dans les quatre coins de la pièce. Non, j'ai pas réussi à gruger. Non, dommage. Non, mais en principe, ta boule de feu n'a pas touché à l'ensemble des parchemins, puisque il y avait des gobelins qui se trouvaient dans le fond de la pièce, qui travaillaient sur leur propre monticule et qui n'a pas été touché. Ah, bah oui, bah oui. Ah oui. Ils ont peut-être été soufflés un peu et ils sont un peu plus loin, mais encore là. Et donc, est-ce que moi je parviens à lire l'un des parchemins? Ok, très bien. Bah, je vais montrer, je tends les parchemins aux uns et aux autres pour que tout le monde partage l'information. Donc moi, je garde un œil sur la porte, soupçonnant à un moment ou à un autre les gars de quand même décider à la défoncer pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc je garde un œil de mon encadreur de porte là-bas, quoi, hein, principalement. Je garde un œil sur les autres portes aussi, hein, mais surtout celle-là, quoi.
un moment, s'ils ont tant envie de ça qu'on l'ouvre, pourquoi ne pas le faire? Ah bon, ils ne veulent pas essayer de rentrer? Oh, pardon, j'oubliais que vous ne compreniez pas. Non, non, ils veulent absolument qu'on ouvre la porte, nous. Parce qu'ils ont l'air de ne pas arriver à l'ouvrir eux. C'est pas parce qu'ils sont emprisonnés et qu'on doit les libérer. Alors, je crois pas. Non, non, de ce que j'ai compris, c'est... Ils veulent la bagarre, si j'ai bien compris. Oui, ils ont l'air un peu... Enfin, les bruits que j'entends ne me laissent pas croire un instant qu'ils nous veulent du bien. Ah oui, non, 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 ils veulent qu'on ouvre pour combattre. Ah, ok. Ils doivent être bien sûrs d'eux, alors. Juste une question, est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Enfin, moi, je suis complètement HS. Ça peut être une bonne heure où s'arrêter. Hein. Oui, il faut pas aller plus loin avec un combat de plus. Ouais. Ouais. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'on peut se reposer un petit peu s'ils sont pas pressés. Ça pourra faire du bien à certains d'entre nous. Moi, je suis blessé, effectivement. Donc, un petit repos court, ne serait-ce que pour récupérer des points de vie, ça fera pas de mal. Après, je crois que je récupère pas... La magie, je la récupère pas, il me semble, c'est tous les longs repos. Oui. Allez, on va ouais, se c'est les longs repos. Ok. J'imagine que ça va être là. Comment ça se gère la récup de points de vie lors d'un repos court? Comment ça marche? T'as des dés de vie correspondant à ta classe. Bah, à ton niveau, globalement. T'as un nombre de dés de vie égal à ton niveau. Oui. Et qui sont du coup d'une taille égale à tes dés que tu gagnes de PV lorsque ouais. Tu gagnes le niveau. Et ouais, t'en lances un et tu ajoutes ton bonus de constit. Enfin, par dé, tu rajoutes ton bonus de constit. Ah, ok, d'accord. Donc j'ai 6 dés de vie là. Si je veux, je peux tous les lancer en fait. Ouais, mais après, il faudra un repos long pour que tu puisses les relancer à nouveau. C'est ça. Et un repos long te fait regagner la moitié de tes dés de vie. Ok, ça roule. Mais je peux déjà lancer un, regarder, lancer le deuxième et regarder, et ainsi de suite, ça. Exactement. Ça, je peux faire. C'est la précision du MJ. Ah, oui. Okay. Oui, c'est vrai que c'est le MJ de décider. Bon, bah, en tout cas, n'ayant pas besoin, moi, de repos, ce qui est bien avec les roublards, c'est que...